Salut tout le monde, c'est NSR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Planète Zoo. Je on va partir avec ceci, le générique. Nous y voilà, nous s'étions arrêtés, c'est-à-dire à la décoration de cette magnifique cabane des employés. Alors j'appelle ça la cabane des employés, mais en fait c'est vraiment une cabane où en fait ça regroupe un petit peu tout. Cabane de soigneur, le vétérinaire, d'ailleurs j'aurais voulu un vétérinaire un peu plus... Oh, je crois que non, je crois qu'il n'y a qu'une seule taille de vétérinaire, d'ailleurs je dis conneries. Non, c'est plutôt cabane de soigneur, j'aurais voulu la version plus grande. J'ai mis la version plus grande. Non, c'est la salle de repos que j'ai voulu plus grande, mais malheureusement, je n'avais pas la thune au moment de le faire. Bon, maintenant, j'ai de la thune. Et du coup, on était sur ce bâtiment qui me dit d'ailleurs quoi en termes de décoration sur 89%. Ça a l'air d'être bien truc, mais je pense qu'on peut encore mieux l'améliorer. On peut encore plus l'améliorer parce que là, derrière, on a carrément une terrasse, certes, mais une terrasse qui me paraît vide. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des sortes de bancs, mais en bancs de décoration plutôt que des bancs... Parce qu'il y a des bancs classiques, effectivement, si tu vas dans service, ici. Mais ce sont des bancs que tu fous... Oh non, tu peux les foutre ici. Hey ! Putain, tu peux les foutre au plus près des bâtiments. Bah, je savais pas. Je ne savais pas. Alors, pas tous, apparemment. Seulement certains types de bancs. Certains types de bancs, tu peux les mettre contre les... D'accord. Celui-ci, est-ce que tu peux... Celui-ci, tu ne peux pas. Apparemment. Il n'y a que celui-ci que tu pourrais. Celui-ci, tu peux le mettre. Bah, écoute, tant qu'à faire. Des bancs. Voilà, en guise de décoration. Mais ça veut dire que ça... Non, ça tu pourras pas. Effectivement, là, il faut absolument des routes. Il y a des trucs, en fait... Lui, par contre, non. Lui, c'est juste table ronde. Attends, voir. J'ai pas mis dans le groupe, en plus. Donc, lui, c'est juste table ronde. Donc, je peux foutre la table ronde comme ça. Eh hey. C'est parfait. Table ronde, comme ça. Ça fait guise de décoration, comme ça. Du coup, table ronde, construction... Est-ce que j'ai en décor quelque chose qui peut bien se foutre à l'extérieur, genre une grenouille? Pourquoi pas? Une grenouille, on va enlever par contre l'alignement sur l'angle. Histoire 2. Et on va enlever l'alignement à la surface. Pareil, histoire 2. Voilà, une grenouille au milieu. Il y a des masques souvenirs, mais ça c'est pour les décorer les boutiques. Je sais toujours pas comment le faire aussi. Tiens, un bloc-notes. Pour ceux qui laissent les bloc-notes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus comme décoration, mais vraiment... De l'éclairage, ouais, je voulais mettre de l'éclairage. Il y a le lampadaire mural. C'est con qu'on peut pas mettre la nuit directement comme dans... Planet Coaster. J'aurais bien aimé voir... Alors peut-être avec la caméra, lumière caméra. Mouvement extra fluide, vignettage, filtre. Non, hein. On n'a pas de... On n'a pas moyen de mettre la nuit directement. Bon. C'est un peu con. C'est un peu con, donc on va accélérer le temps. Et je regarde en même temps comment ça se passe ici. Donc j'ai un panda roux qui est enceinte. C'est parfait. L'inspectrice qui arrive dans quelques mois. Alors j'ai des papillons qui ont eu des petits. Mais moi en fait je voulais surtout avoir la nuit. Hein. C'est surtout pour ça que j'ai accéléré le temps. Mais le problème c'est que... Ah ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, c'est lequel qui a eu des petits? Attendez voir. Non, pas ici. Ici. Donc,
Ici, hop, tu as eu des petits hauts. Pense des paons, non. Des morphos bleus, non. Des macarons. Voilà. Ah oui! Ah oui, quand même. Pas mal de femelles. Beaucoup de femelles surtout. qui a besoin de femelles ici? Là, il y a un mâle et une femelle. Ok. Là, il y a un mâle, une femelle. Et ici, il y a rien du tout, je crois. Ah si, il y a déjà un mâle et une femelle, mais le mâle, par contre... Non, la femelle. C'est plutôt la femelle. C'est le mâle ou la femelle? J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas suivi. C'est le mâle. Tout à fait. Donc le mâle. Voilà. Donc. Poppy étant la femelle. Donc Poppy, on va la garder. Et en fait, le mâle, Arlo, on va le déplacer là. Parfait. Donc ça, c'est déplacé. Ensuite, tous les autres femelles, sauf comment elle s'appelle? Sauf Poppy. Donc eux, voilà, tous ceux-là, on va les envoyer dans le centre d'échange. Là, j'ai oublié ces deux-là. On va tout simplement les vendre pour 3000 balles. C'est pas mal, c'est une bonne affaire. 3000 balles. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que j'aurais oubliés? Dragon de Komodo? Non, Macaon, ça c'est fait. Macaon. Non, non, je crois que c'est bon. On peut du coup réaccélérer le temps pour avoir la nuit, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a apparemment pas moyen d'avoir la nuit, sauf si... Sauf s'il me donne 14. Ah! Allez, on a des bébés tabanoirs maintenant! Et il y a les recherches qui sont terminées. Donc, recherche vétérinaire sur une bactérie, j'imagine. Non, pas du tout. Sur les physides. Oui, c'est vrai que je voulais améliorer aussi l'enclos, enfin le vivarium des physides. Et on a de nouvelles clôtures. Est-ce que ça veut dire qu'on a les fameuses clôtures avec les vitres teintées? Attends, voir. Faut que je regarde dans les recherches. Est-ce qu'on a les clôtures avec les vitres teintées? On a les clôtures avec les vitres teintées! Bon, eh ben si on a les clôtures avec les vitres teintées, c'est magnifique, c'est formidable. Tu vas me faire une recherche sur autre chose. Tu vas me faire une recherche sur les locaux de personnel ou non sur d'autres boutiques et souvenirs. Qu'est-ce qu'on n'a pas comme boutique et souvenirs? On n'a pas le hat fantastique, on n'a pas de chapeau! Ce serait pas mal qu'on puisse vendre des chapeaux. Et du coup, le tabanoir a eu des petits hauts, qu'on me dit. Ah merde! Ah putain, le blaireau est malade! Bah écoute, vétérinaire, directement, au plus vite, de toute urgence. Voilà, il arrive. De toute urgence, il faut le soigner. Et donc du coup, les petits hauts, les petits tabanoirs, ils sont là. Je crois que ça, c'est un petit tabanoir. Alors attendez, on va quand même les renommer, hein. Parce que c'est pas pour rien qu'on a des petits tabanoirs. On va quand même les renommer. Ah bah, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'une. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Ginette. Parce que pourquoi pas. Du coup, oui. Un animal malade. Deux animaux. Mais c'est pas possible. Mais ils sont... Attends, mais c'est... Mais... Attends, il en faut deux des vétérinaires ou quoi? Parce qu'il peut s'occuper qu'un animal à la fois, n'est-ce pas? Il peut s'occuper qu'un seul animal à la fois. Chier. Chier, 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 chier. Il y a une épidémie. J'ai des bébés scorpions. Enfin, je peux me débarrasser du coup des scorpions. Alors, faut quand même que je regarde scorpion velu du désert. Qu'est-ce qu'ils ont comme mâle ou femelle?
Est-ce qu'ils sont des trucs bien? Ils sont un mâle qui est bien. Est-ce que j'ai une femelle qui est bien niveau gène? Longévité. Ouais. Pas ouf. Charlotte. Je crois, j'ai que les trois là. Ah, j'ai que les trois là. Ah merde. Bon, écoute, on va prendre la... On va garder la meilleure de... En termes de gènes, de tout ce que j'ai. On va mettre tout ça au centre d'échange. On va adopter et le mettre dans cet enclos. Voilà. Et tout ce que j'ai ici, eh ben on va le vendre. Pour 3000. On va se faire de la thune. Et par contre, ouais, là, c'est problématique pour l'animal qui est ici. Enfin, pour lui. Parce que du coup, il n'y a pas de deuxième service vétérinaire, sauf si j'en crée un temporairement. Putain, il faudrait deux cabinets vétérinaires. T'as bientôt fini avec ou... Dépêche-toi, hein. Parce que t'en as un autre qui est malade. Et va bientôt crever. Je veux pas qu'il crève. Dépêche-toi. Voilà, maintenant tu t'occupes de l'autre. Ouf. Putain. Ah. J'ai encore d'autres animaux. Attendez voir, il faut que je suive la cadence avec les animaux. J'ai des serpents bruns supplémentaires. Donc, voir côté femelle. J'ai côté femelle, apparemment. Laquelle est mieux côté femelle? Elles sont pas ouf, hein, les femelles que j'ai. Ah, si! La dernière. Mais c'est pas une femelle, si. La dernière, elle. Ça va. Donc, échange de vivarium. Serpent brun. Qu'est-ce que j'ai de top en termes de mal? Rien du tout, hein. Rien du tout. Aïe. Côté mal, du coup. Lui, t'as quoi comme... Pas ouf. Pas ouf ce qu'on nous propose. Lui, par contre, il va bientôt crever. Donc, je sais pas s'il va fertiliser encore. Bon, écoutez. On va faire avec, hein. On va garder le mal le plus vieux. Tant pis, Tant pis s'il va crever avant d'avoir pu s'accoupler avec un autre serpent. Alors on va quand même prendre la meilleure des deux, je crois que c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Et ensuite je viens de voir quoi? J'avais vu que t'as un chat du désert qui va... Un bébé chat du désert qui va... Qui va être adulte. Et qui est dans son terrier, malheureusement. Donc je peux pas... Je peux pas regarder ça. Les deux bébés chats. J'ai aussi d'autres trucs. Est-ce que du coup, là, on a bien la nuit ou pas du tout? Parce que là, j'ai pas mal de... Et j'ai pas mal de trucs dans les vivariums qui... Attends, voir. C'est dans quel enclos? C'est dans celui-là? Ou c'est dans l'autre? Il me pointe lequel des enclos? Il y a... C'est celui-là, hein. Donc, est-ce que on va pas garder Shengi? Qui est du coup de l'autre... de l'autre espèce? Bien sûr! Alors, il y a Douglas. Non, pas du tout. Non, ça s'appelle pas Shengi. Bah merde alors. Ah putain, d'accord. En fait, il y en a deux. Bon, écoute. On va vendre ça. Et du coup, il y a dans là-dedans, c'est ça? Voilà, il y a là-dedans. Et là-dedans, par contre, c'est Shengi. Donc on va sélectionner tout ceci, on va laisser les autres dedans. Et on va vendre tout ça! Tout simplement! On se fait pas mal de thunasses! Parfait! Par contre, la nuit...
Parce que moi, à la base, c'était la nuit que je voulais mettre. 18h, 24, 19h. Il fait toujours pas nuit à 19h. Ah, par contre, les chats des sables. Ça y est, il faut qu'on s'occupe des chats des sables. Intrus. Oui, je comprends. Je trouve complètement absurde aussi. On va mettre les deux là dans le centre d'échange. Ensuite, on va voir par contre les chats des sables. Qu'est-ce qu'on a de disponible en chats des sables? Côté mâle. Ah, il n'y a pas de mâle! Bon, ça va rester deux femelles alors. Ça va rester deux femelles. Et du coup, les deux chats des sables qui sont ici. 480 seulement! Et je peux pas les rejeter dans la nature. Chier. Parce que c'est une saisie des douanes. Ou un animal domestique, les chats des sables. Tu te fous de ma gueule. Bon, bah, 480 balles. Pour deux chats. Tant pis, on n'aura pas de mal. On laissera les deux comme ça. On laissera les deux comme ça, les deux chats des sables. Et on verra comment on peut faire. Par contre, moi, c'est la nuit qui m'intéresse. Est-ce que 19h, c'est toujours pas la nuit, hein. D'ailleurs, il ferme à quelle heure mon parc? J'ai mis quel horaire pour mon parc? Jusqu'à 21h. Donc, normalement, 20h, ça devrait faire nuit, là. 20h, c'est la nuit. Putain, 20h, c'est pas la nuit. Mais c'est quoi le... Le truc... Tiens, la salamandre des petits. Donc, je peux vendre aussi des salamandres. Avant qu'il soit trop tard. Alors... Niveau salamandre tacheté, qu'est-ce qu'on a, salamandre tacheté? On a seulement deux femelles qui sont pas ouf. Aïe, 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 c'est pas ouf, ces trucs-là. Salamandre tacheté. Alors c'est quoi? C'est qui? C'est Monica, mais avec qui? Monica. Avec Rui. Bon écoute, on va faire ça. Tant pis, on va prendre les deux vieux. Et on va du coup vendre les deux plus jeunes. Ou les relâcher dans la nature, tiens. Pourquoi pas? Non, on va les vendre. On va les vendre parce qu'on a besoin de thunes. C'est vrai que la thune a disparu pas mal. Et par contre, 20h, il fait toujours pas nuit. Aïe! Bon, bah, je sais pas du tout si l'éclairage va fonctionner, du coup. On va tester, hein. On va tester. On va foutre ça comme éclairage. C'est un éclairage 360, c'est un éclairage 360. Mais qu'on va plutôt l'incruster, en fait. Comme ceci. Ah si, il y a quand même un peu d'éclairage. On voit quand même l'éclairage. Mais seulement à certains endroits, pas tous. On voit quand même un petit peu d'éclairage, donc on voit comment c'est éclairé quand même. Mais attends, j'avais pas un autre moyen de le faire. Si je fais ça. Nouveau. Mais que je fais style. 20h. Ah si, il y avait moyen que je puisse regarder depuis avant. Et comme un con, je le faisais pas. Bah écoutez, ça donne un style l'éclairage. Ça donne un style. Bah écoute, on va faire l'éclairage comme ça alors. On va faire l'éclairage comme ça. Avec ce truc. Voilà. Voilà, parfait. Donc l'éclairage vraiment avec un peu de style. J'avais prévu aussi côté du toit des gouttières.
en décoration. Habillage de toit. Est-ce qu'on n'a pas des gouttières en habillage de toit? Toit mural, non. Non, je crois que c'est plutôt dans story façade. Où est-ce que je peux trouver des gouttières? J'avais eu des gouttières. Là. Gouttières d'angle. Des gouttières. Ah, mais ils sont blancs. Ah non, je peux changer la couleur. Attendez, on va les faire en gris quand même. Donc la gouttière. Voilà, qu'on va la placer. Tac. Comme ceci. Vraiment que ça soit contre le toit en fait. Peut-être la tourner un petit peu légèrement. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit droit. Ou sinon, ce que je peux faire pour m'y aider, alignement à la surface. Voilà. Rotation sur l'angle. Comme ceci. Parfait. Ah. Bon, ça a automatiquement fait. J'ai cliqué sur rien, ça l'a automatiquement placé. Bon, du coup, des gouttières, parce que ça me paraît logique qu'un toit ait des gouttières. C'est vrai que j'en ai pas mis dans les autres constructions. Des toits avec des gouttières. C'est juste pour donner vraiment un style réaliste. Mais pas trop quand même. Parce que faut pas déconner. Il y a ceci pour l'angle. Qui est d'ailleurs parfait, l'angle. Voilà. Tiens, d'ailleurs, concernant l'angle. Ceci. Comme ceci, voilà. Des gouttières. Pour éviter que l'eau tombe au sol. Sur les employés. Voilà. Du coup, on va mettre des gouttières. On va vraiment le faire tout autour, quoi. Ensuite, pour simplifier la création des gouttières, on va sélectionner toutes les gouttières qu'on va copier-coller pour le tourner de l'autre côté, en fait. Méthode pour aller plus vite, en fait. C'est vraiment la méthode que je vous montre là. C'est vraiment la méthode pour aller vraiment plus vite. Donc, je copie ça. Je fais ça. Tac, 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 tac. Et par contre, après, il faut le... Voilà, il faut... Mais non, pas là. Ah, oh, qu'est-ce qu'il me fait faire? Idiot. Idiot, c'est pas par là. Bon, faut que je resélectionne tout. Il s'est trompé en fait d'axe de déplacement. Je voulais le déplacer sur l'axe XY. Il a déplacé sur l'axe XZ. Ce con de jeu. Voilà. Comme ceci. Hop. Pour être sûr, on va le faire comme ça, parce que sinon, il va me faire chier. Voilà, la gouttière est bien centrée ici, la gouttière est bien centrée là. Peut-être légèrement vers en bas. Ah tiens, j'avais même pas vu. Il y a un vide apparemment quelque part. Voilà, là c'est parfait.
Par contre, là, j'avais pas vu qu'il y avait un vide. J'ai peut-être oublié de sélectionner une gouttière. Écoute, on va la réparer comme ça. Parfait. Donc maintenant, ensuite, bien entendu, qui dit gouttière dit qu'il faut descendre l'eau. Donc on va la descendre à partir d'ici. Mais par contre, on va la descendre en faisant un tuyau coudé d'abord. Parce que mine de rien... Et on va pas le foutre près de l'électricité parce que c'est un peu dangereux de le foutre près de l'électricité. Non, on va le foutre ici. Voilà, et après on prend un coudé. Comme ceci. Et bien entendu, l'évacuation de la gouttière. Et ben voilà! Parfait! Parfait, le petit cabanon de soigneur, d'employé, tout est parfait, 100% de décoration. Après, c'est vrai que des plantes, ce serait pas mal aussi. Des plantes pour ce bâtiment. On va aussi ajouter des plantes, histoire que ça fasse beau, que ça fasse joli. Des petites fleurs de parterre, comme ça. Ou peut-être un gros jardin, un énorme jardin. Ouais, c'est vachement énorme. Il est où l'énorme jardin que j'avais vu? C'est lui. C'est lui. Ah non, c'est une création, merde! D'accord, je comprends pourquoi il me désélectionne le truc. Modifier groupe. Nature. Donc il faut faire gaffe, des fois il y a des créations comme ça. Mais ouais, peut-être ici. Avec un pot. Qui conviendrait juste. La fleur là. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Truc comme ça, voilà. Un pot comme ceci. Ensuite, ici. Ici, je ferais bien un sort d'arrondi comme ça. C'est marrant que l'arrondi soit par là, hein. Un sort d'arrondi. J'ai pourtant enlevé l'alignement sur l'angle. Comme ceci. Voilà. On va faire comme ceci. Peut-être y mettre, bien entendu, une fleur comme ceci. Et un petit renard tourné vers... voilà. Une petite accueil bien sympa. Bon, écoutez, je pense que je peux arrêter cette cabane ici. Et d'ailleurs, même, je pense que je peux même le partager dans le workshop. Pourquoi pas. Et vous savez quoi? On va le partager sur le workshop. Set de soigneur, tout simplement, qui comprend une cabane de soigneur vétérinaire salle de repos. Salle de repos, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a centre de recherche, générateur, alors je crois que c'était un générateur électrique et atelier mécanique. Voilà, alors on va mettre étiquette comme plan. Bien entendu, petit bâtiment, pourquoi pas. Boisson, structure, information, entrée de zoo, autre. Il n'y a pas de structure d'employé ou un truc comme ça. Scène, bon.
nature. Écoutez, on va faire ça. Je vais créer le plan, je vais le partager sur le workshop. Où est-ce que c'est? C'est dans construction. C'est dans service. C'est dans les lieux de personnel. Et c'est parmi les trucs personnalisés. C'est lequel? C'est... Non. C'est lequel que j'ai créé? Ah! Où est-il? 7. Attends, je vais taper comme ça. 7. Voilà, celui-ci. À partager sur le workshop, ça coûte 15 000 balles quand même! C'est. Ça comprend quand même pas mal de choses. Comment on le dit en anglais? Bon, écoute. 7. 2. Départ. Bâtiment. Oh. Employé. Voilà, je le crée dans le workshop, je le mets dans le workshop, et je vais arrêter cet épisode ici. En tout cas, si cet épisode vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager à vos potos, et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, voire même la suite de ce let's play, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. C'était YannCR, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM.